tous, aujourd'hui je vais vous présenter un produit de chez Nanoprotection qui est la pâte abrasive. Donc cette pâte elle est destinée à retirer toutes les imperfections de votre vernis, les traces de rouleau et les micro-rayures qui peuvent se retrouver sur votre carrosserie à la suite de ces lavages. Donc je voulais vraiment tester cette pâte parce que sur ma carrosserie donc, qui est d'une peinture noire métallisée, on voit très très rapidement les défauts. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai des micro-rayures qui sont assez prononcées à la lumière. On les voit beaucoup, donc beaucoup de marques suite aux essuyages. Donc c'est ce genre de rayures qui vont être effacées à la suite de ce polish. Donc le produit se présente sous la forme d'un petit récipient de 200 ml. Donc je pense que c'est plus que suffisant pour faire l'intégralité du véhicule. Pour appliquer la pâte, je vais me servir d'une polisseuse excentrique ou orbitale. Faudrait éviter les polisseuses rotatives si vous ne savez pas les manier. Avec un pad en mousse plat assez dur. Évidemment, après chaque passe, faut bien penser à essuyer tout de suite après avec une microfibre afin de ne pas laisser sécher la pâte. Donc là, je viens d'effectuer une première passe. Donc, on va pouvoir voir la différence. Donc là, à droite, il n'y a pas encore le produit qui est passé. Donc, on voit vraiment les rayures. Et là, à gauche, ça en a déjà éliminé beaucoup. On peut le voir, il en reste toujours, donc je vais faire une seconde passe. Mais on voit que les plus grosses rayures là ont vraiment disparu déjà. Donc avec une seconde passe, ça risque d'être encore mieux. Donc j'ai fait une deuxième passe à gauche de la limite. Donc à droite, toujours autant de rayures à la lumière. Et maintenant à gauche, et ben on voit quasiment plus rien. Certaines sont plus profondes, donc assez compliquées à effacer. Après, je suis pas professionnel, c'est la première fois que je fais ça, donc c'est vraiment pour montrer que n'importe qui peut faire ça pour rattraper la plupart des micro-rayures sur votre carrosserie. Mais le résultat à l'œil est beaucoup plus bluffant que ce que vous pouvez sûrement voir à la caméra. Pour conclure, je dirais que le produit a été très efficace parce que comme vous avez pu le voir, il a réussi à effacer la majorité des rayures de mon capot et puis également des autres éléments de ma carrosserie. Puis j'ai également par la suite utilisé un polish anti-hologramme, donc si vous voulez voir la suite, c'est disponible sur une autre vidéo.